Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Tim de Space News. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle session extraterrestre du dimanche 22 septembre 2024. Il est 17h03 et j'ouvre la 38e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches à la même heure sur Zoom. C'est à chaque fois un véritable plaisir de vous retrouver pour vous présenter ces différentes lignées extraterrestres et vous faire passer toutes les connaissances qui m'ont été transmises par mes contacts extraterrestres depuis le début de l'année 2016. Les présentations sur les lignées extraterrestres sont le fruit du travail que Zen et moi avons fait ensemble pendant des mois et de nombreuses heures chaque jour depuis le début de l'année 2017. Un an après mes premiers contacts directs en 2016. Toutes les informations que je vous présente sont donc exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit noir sur blanc et en audio. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation grâce à des technologies de communication que j'ai enregistrées quasiment depuis le début. Et évidemment, c'était d'accord avec Zen pour que je le fasse. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023, trait d'union 115, et trouver d'autres informations dans mon livre « Premier contact ». Pour être certaine de ne rien oublier et de ne pas me tromper, j'ai constitué un tableur qui est composé d'environ 2500 entrées. C'était un travail de titan, inutile de vous le dire, mais je suis contente de l'avoir fait puisqu'il me permet maintenant de vous faire passer ces informations, non grâce à ma mémoire, qui pourrait devenir défaillante au fil du temps, mais de manière concrète, dans des conversations que nous avons décidé de faire par écrit pour en conserver une trace et pour pouvoir les enregistrer. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Lyriens. Ils occupent le siège au sein de la Fédération Galactique en compagnie des Andromédiens, siège 1, les Arcturiens d'Yazli Antiplex, de la race des Marsupiens, siège 2, les Pléiadiens de Tejet, siège 3 et 4, les Alphratiens du Centaure, siège 5, les Syriens, siège 6, les Vénusiens, siège 7, les Agartiens de l'Intraterre, siège 8, les Urmas de la race féline, siège 9, et les Étortants, siège 12, que nous verrons dimanche prochain. Donc les Lyriens occupent le siège numéro 11. Les Lyriens font partie des humanoïdes célestes dont nous faisons partie aussi en tant que terriens ou terriennes, puisque nous sommes les descendants des Lyriens. Ils sont originaires de la constellation de la Lyre, du soleil Vega et des systèmes stellaires Avalon, aussi nommé Avion, A-V-Y-O-N. Souvenez-vous que dimanche dernier, je vous avais parlé de Rour de Avion. Donc, cette planète est occupée aussi par les Lyriens humanoïdes et les Lyriens félins. Et ils occupent aussi Alpha Lyra. L'humanité n'est pas la seule espèce intelligente de cette galaxie ayant forme humaine et nous ne sommes pas non plus la seule civilisation humanoïde. La plupart de ces races ont visité la Terre. Certaines d'entre elles le font encore et ont même des bases sur Terre. Certaines races humanoïdes extraterrestres ont également joué un rôle important dans l'histoire de la Terre et de l'humanité terrestre. En fait, l'humanité n'est même pas née ici sur Terre. Nous sommes les descendants de ces autres lignées extraterrestres ressemblant à des humains comme nous, qui ont visité la Terre il y a des millions d'années. Si nous voulons comprendre notre histoire et notre nature en tant qu'espèce, nous devons remonter dans le temps, il y a des millions d'années, au moment où l'humanité est née sur Terre. Les civilisations humanoïdes les plus importantes se trouvent dans les systèmes stellaires de Lyra, Vega, Sirius, Orion, les Pléiades, Andromède. Lyra est l'endroit où se situait autrefois le berceau des races humanoïdes. La plupart des races sur Terre et dans l'espace sont des descendants des groupes Lyra-Vega.
Pour comprendre notre histoire, nous devons comprendre leur histoire. Il faut comprendre pourquoi ils se sont aventurés dans l'espace, pourquoi ils sont arrivés sur Terre et où ils ont commencé à implanter des colonies sur d'autres planètes. Il est important de savoir comment ils ont rencontré d'autres civilisations, comment des conflits ont éclaté avec ces civilisations et comment cela a conduit à des migrations interstellaires massives et à des guerres sans fin. Certaines guerres qui ont lieu actuellement sur Terre sont les conséquences et presque la copie conforme de guerres extraterrestres. Voyons maintenant l'histoire ancienne des Lyriens, c'est-à-dire nos origines également. La plupart des données, qu'elles soient terrestres ou extraterrestres, s'accordent à dire qu'il y a 40 millions d'années, dans notre cadran de la galaxie, le berceau de l'humanité se trouvait dans la constellation de la Lyre. Au fil du temps, certaines espèces humanoïdes ont évolué. La majorité étaient des Lyriens de type caucasien, qui nous ressemblent comme deux gouttes d'eau, même s'ils sont quelquefois beaucoup plus grands et s'ils vivent beaucoup plus longtemps. Il y a environ 22 millions d'années, les alpha lyriens étaient capables de voyager vers d'autres étoiles, comme le font de nombreuses lignées extraterrestres, et dès qu'ils ont commencé à explorer d'autres systèmes dans leur voisinage galactique, ils ont également commencé à coloniser les planètes voisines. Bien sûr, ce sera le cas pour nous aussi, et il ne leur a pas fallu longtemps avant qu'ils ne rencontrent d'autres races humanoïdes. La première race de ce type qu'ils ont rencontrée était autour de Vega, également dans la constellation de la Lyre. Vega est aussi occupée par des races humanoïdes, la plupart à la peau foncée ou noire. Beaucoup de races africaines sont originaires de Vega. Ces premières rencontres se sont déroulées dans le calme. Les populations ont commencé à interagir les unes avec les autres et elles ont uni leurs forces pour poursuivre l'exploration et la colonisation de l'espace. L'une des premières races non humanoïdes qu'ils ont rencontrées faisait partie des lignées reptiliennes qui habitaient dans la constellation Draco. C'est pour ça qu'on les appelle des draconiens. Mais il y a les alpha-draconiens et les draconiens tout court, qui sont un peu différents. Personne ne sait vraiment d'où les draconiens sont originaires. Asket, la petite amie de Zen, m'a dit qu'ils sont venus d'un autre univers et sont arrivés dans la constellation Draco en utilisant les trous de ver, qui sont comme de très larges autoroutes cosmiques. Ils étaient capables de voyager dans l'espace bien avant que l'humanité terrestre n'existe. Au moment des premières rencontres entre les Lyriens et les Draconiens, ces derniers exploraient les autres constellations et colonisaient toutes les planètes qui leur plaisaient, et ils possédaient un vaste empire organisé, généralement appelé l'Empire Draconien. Cet empire existe toujours aujourd'hui, et c'est l'un des principaux acteurs de la scène exopolitique galactique et terrestre. L'Empire Draconien est né sur Tuban, qui s'appelle aussi Alpha Draconis, et se compose principalement de divers groupes d'espèces reptiliennes. Les Alpha Draconiens, d'Alpha Draco, ressemblent à des dragons volants ou à des dinosaures, et il y a aussi dans ce système des populations humanoïdes qui s'y sont installées, certaines par la conquête forcée par les draconiens, d'autres de leur propre volonté. Une grande partie de leurs membres sont basés sur Alpha Draconis, Tuban, Epsilon Boutes, les Arcturiens, donc par exemple les Arcturiens Diesel Antiplex, la planète Mars, Polaris, Rigel, d'où sont les étortants, dont je parlerai dimanche prochain, Bellatrix, Capella, Alpha Aurigae, Ursa Minor et Ursa Major, Alcaïde, Sirius B, Hydra. Les premières rencontres entre les explorateurs lyriens et les explorateurs draconiens ne se sont pas bien passées. Des conflits ont éclaté sur des mondes qu'ils voulaient tous deux coloniser et qu'ils avaient revendiqués pour eux-mêmes.
C'est dans la nébuleuse M57 de l'Anneau, qui fait partie de la constellation de la Lyre, que les premiers combats ont éclaté. Les choses se sont ensuite envenimées lorsque les Draconiens se sont lancés dans une attaque de pleine force contre les planètes d'origine lyrienne et en ont détruit plusieurs, tuant des millions de Lyriens. Et entre parenthèses, comme par exemple les Pléiadiens se souviennent de leur vie passée, beaucoup viennent de la Lyre, se souviennent de ces attaques et de ce qu'ils ont subi. Zen, par exemple, s'en souvenait. À cette époque, cependant, la majorité des Lyriens avaient déjà émigré vers d'autres mondes comme les Pléiades et notre système solaire Sol 13, mais ils ont juré de riposter. Alors que les premières rencontres et les premiers conflits entre les deux espèces ont lieu dans la constellation de la Lyre, c'est Orion qui va devenir la scène principale de leur altercation. Les mondes d'Orion, à cette époque, étaient habités par divers groupes de Lyriens, de Véganais et de Reptiliens. Après que les Reptiliens draconiens aient attaqué les mondes d'origine lyrienne, les Lyriens, qui avaient déjà créé des colonies sur Orion, et c'est pour ça que le conflit va naître là-bas, ont riposté en attaquant les colonies reptiliennes d'Orion. Donc les Lyriens qui avaient émigré, qui avaient fait connaissance de l'Empire d'Orion, avaient déménagé, s'étaient installés dans la constellation d'Orion, vont se saisir de ce moment pour attaquer les reptiliens du système Draco. Et bien entendu, les Draconiens contre-attaquent les colonies lyriennes d'Orion. À cette époque cependant, certaines races, principalement insectoïdes, comme les grandes mantes, avaient déjà commencé à coopérer avec les races reptiliennes parce qu'elles avaient découvert qu'elles partageaient un programme commun d'exploration spatiale et de colonisation. Cette coopération conduira à l'établissement de l'Empire d'Orion. Cet empire a été établi après que les Gris, qui donc entrent en scène à ce moment-là, se soient engagés dans l'exploration spatiale à leur tour. L'empire se compose d'un mélange de civilisations humanoïdes, reptiliennes et insectoïdes. De nos jours, les reptiliens d'Orion sont des métis, généralement modifiés, des races reptiliennes originales de la constellation Draco, qui forment la majorité des civilisations reptiliennes, alors que la plupart des civilisations humanoïdes sont d'origine lyrienne et véganaise. Environ un monde sur six dans la constellation d'Orion a une population reptilienne. Lorsque les guerres entre les Lyriens et les Draconiens ont éclaté, l'Empire d'Orion n'existait pas encore, mais il y avait des accords de coopération. Les guerres s'intensifièrent rapidement. Plusieurs autres mondes qui ont été colonisés par les Draconiens ont commencé à se soulever aussi et ils ont rejoint le front des Lyriens dans la lutte contre les Draconiens. Cette union a conduit à la création et la fondation de la Fédération galactique des mondes. C'est dans ce conflit entre les humanoïdes, diverses planètes et les Draconiens que naît la Fédération galactique des mondes qui a été créée par des humanoïdes, c'est-à-dire la même fédération que nous connaissons de nos jours et qui est gérée par les 12 lignées humanoïdes avec des alliés qui se sont joints au groupe, les félins, certains reptiliens aussi, et qui occupent les 12 sièges au sein de la fédération et dont les membres se sont unis dans la lutte contre les draconiens. Ils ont été rejoints par un certain nombre de races non humanoïdes, comme des groupes de félins, les Urma par exemple, des amphibiens de Sirius, des reptiliens de Régel, ainsi que par certaines organisations de l'Empire d'Orion. Il y a même eu des membres qui se sont joints à la coalition que personne n'attendait du tout, car ils étaient d'origine reptilienne et parce qu'ils voulaient se libérer de l'emprise et du contrôle des draconiens, ils ont rejoint la Fédération galactique, donc les forces humanoïdes célestes. Les insectoïdes et les reptiliens d'Orion, qui avaient conclu des accords de coopération entre eux, ont probablement établi l'Empire d'Orion à peu près au même moment
où la Fédération galactique des mondes a vu le jour grâce aux lignées humanoïdes. Au fil du temps, la nature des guerres a changé. Là où au départ la guerre ne concernait initialement que des territoires, elle est devenue, écoutez bien parce que ceci nous concerne, elle est devenue une guerre de contrôle du mental, des émotions et des idéologies des populations conquises. D'un côté, il y a un groupe de races principalement humanoïdes orientées vers le service à l'autre qui avaient uni leurs forces au sein de la Fédération galactique. C'étaient des membres qui estimaient avoir été victimisés par les draconiens et ils ont donc rejeté l'idée de colonisation et d'intervention dans d'autres mondes. Et en rejetant l'idée de la colonisation, ils ont mis sur pied la directive première. Tous respectent la directive première à cause du refus de coloniser d'autres peuples. Peu à peu, ils se sont attachés à l'idée du service aux autres. Et de l'autre côté, il y a un groupe mixte d'humanoïdes et de races reptiliennes qui propageaient le service à soi. Les empires draconiens et Orion ont découvert qu'ils partageaient les mêmes idéologies, ce qui les a conduits à unir leurs forces, et depuis lors, ils sont souvent appelés les empires Orion Draco. Initialement, la philosophie du service à soi impliquait que lorsque chacun prend soin de lui-même, alors le tout est également pris en charge. Ce qui est tout à fait correct, elle s'est peu à peu muée en service à soi aux dépens des autres et au détriment des autres. Donc, le service à soi impliquant qu'on se développe spirituellement est tout à fait exact à condition qu'y soient ajoutées l'éthique, la morale et le service à l'autre. Les membres des deux groupes, d'un côté la Fédération Galactique et de l'autre l'Empire Orion Draco, ont commencé à se considérer d'un côté comme des victimes et de l'autre comme des bourreaux. Les victimes et leurs alliés, qui avaient uni leurs forces au sein de la Fédération Galactique, ont commencé à considérer les agresseurs comme mauvais, jugeant que eux représentaient le bon côté. En conséquence, les guerres se sont polarisées et ont fini par être des guerres de dualité, même si les choses n'ont pas du tout commencé comme ça, puisque c'était géographique au départ. Maintenant, l'histoire est remplie d'exemples de la façon dont un conflit polarisé ne peut jamais être résolu tant que les polarités demeurent. Il faut savoir aussi qu'ils partagent leur planète, donc les Lyriens, avec les lignées des Urmas, les félins avec lesquels ils s'entendent très bien. Les deux lignées vivent en osmose, les Urmas protègent les Lyriens. Pour ce qui concerne les migrations, c'est-à-dire comment ils sont arrivés sur Terre par exemple, les premières civilisations humanoïdes étaient des explorateurs et des colonisateurs. C'était des Lyriens jeunes qui aimaient l'action, le voyage dans l'espace, la découverte du cosmos, ce qui a conduit à une migration massive. Lorsque les guerres ont éclaté, en plus, d'autres vagues de migrants se sont enfuies. Si nous simplifions les choses, nous pourrions dire que la propagation de l'humanité à travers cette partie de la galaxie, sur des millions d'années, s'est produite en 7 vagues successives de colonisation suivie de migration. Comme mentionné précédemment, l'histoire commence à l'Ira, où il y a environ 22 millions d'années, les premières civilisations humanoïdes caucasiennes ont commencé leur aventure d'exploration spatiale pour aller là où aucun autre homme n'était allé auparavant. Les premiers mondes qu'ils ont colonisés étaient Vega, qui était lui-même déjà habité par des espèces humanoïdes à peau noire, c'est-à-dire ce sont les futurs habitants de l'Afrique, qui sont véganés d'origine. Plus tard, les explorateurs lyriens se déplaceront également vers Sirius, puis vers Orion.
tandis que d'autres groupes s'étaient envolés vers notre système solaire Sol 13 et s'étaient déjà installés sur Terre et sur Vénus. Puis ils se sont aussi installés dans les Pléiades. La population humanoïde noire, originaire de Vega, a rapidement commencé ses propres explorations spatiales et a créé des colonies dans les mondes de Alter, Centauri, Sirius, Orion et sur notre Terre. En explorant la nébuleuse de l'Anneau, qui fait partie de la constellation de la Lyre, ils ont rencontré des races ressemblant à des crocodiles bipèdes qui revendiquaient les territoires. Et c'est là que les guerres galactiques ont éclaté. Une guerre nucléaire a détruit une grande partie de la planète Apex dans le système Zeta Reticuli, forçant ses habitants les petits gris à vivre sous terre pendant des milliers d'années. Les radiations ont également endommagé leur capacité de reproduction. Alors faites le lien avec ce qu'ils font sur Terre. Les forçant à utiliser le clonage comme moyen de survivre en tant qu'espèce. Les Apexiens sont devenus les petits gris de Zeta Reticuli que nous connaissons très bien ici sur Terre. C'est aussi la raison qui les a poussés à entreprendre des abductions de terriennes et de terriens pour récupérer de l'ADN et essayer l'hybridation pour contrer l'extinction de leur propre race. Les colons humanoïdes se sont également déplacés vers Arcturus, où en tant qu'espèce, ils ont avancé très rapidement. Ce sont les Arcturiens Diazli Antiplex dont je parle souvent et que j'ai déjà présenté. Et dans les mondes autour de Sirius, les colons humanoïdes ont trouvé de nombreuses autres espèces qui ne leur ressemblaient pas du tout, des dauphins, des mammifères aquatiques et des félins. Certains colons amphibiens ont donc choisi de se transférer vers Orion et plus tard, des tas de Syriens ont également migré vers la Terre. Le principal champ de bataille des guerres galactiques était Orion. Pour cette raison, de nombreux descendants de colons humanoïdes d'Orion ont fui et ont également migré vers la Terre. Certains des tout premiers colonisateurs lyriens sont venus sur Terre. Lorsque leurs descendants ont eu peur que les guerres galactiques ne s'approchent trop de la Terre, la plupart d'entre eux se sont déplacés vers les Pléiades. Après un certain temps, cependant, certains de leurs descendants ont décidé de renouer avec leurs proches de la Terre et sont revenus sur Terre. Voyons comment les Lyriens se situent au sein des équipages en orbite autour de la Terre. Ils sont considérés comme l'un des groupes humanoïdes les plus anciens, très ancienne lignée, qui a malheureusement perdu une grande partie de son histoire. C'était une race, comme nous l'avons vu il y a quelques instants, de voyageurs intrépides de l'espace, mais de nos jours, ils disent qu'ils préfèrent rester chez eux et soulignent « Pourquoi voyager dans l'espace si cela nous empêche d'être chez nous ?» Ils sont extrêmement calmes. Sur leur planète, ils sont spirituels et de très bons jardiniers. Ils cultivent tout à la main. Ils aiment les arts plastiques, ils donnent des conseils et enseignent leur sagesse. Leur planète ressemble à la Terre. Ils sont considérés comme une espèce en voie de disparition et ne sont que 100 millions en tout. Ils utilisent le nucléaire non ionisant et de moins en moins les technologies avancées. Ils disent que lorsque vous créez des machines, cela retire quelque chose aux personnes. Et on entend ce concept chez beaucoup de peuples africains qui disent par exemple que lorsqu'on prend une photo, on enlève l'âme à la personne. Au moment où Zen me les a présentés, ils n'avaient qu'un seul vaisseau de type diplomatique en 2017-2018 qui a ensuite quitté la haute orbite terrestre pour retourner sur leur planète. Comme les Andromédiens, ils n'ont aucune arme, aucune structure militaire, car ils se reposent sur les Urmas qui, eux, sont devenus militarisés il y a une dizaine d'années. Sur leur vaisseau en haute orbite terrestre, il n'était que 2000 membres d'équipage et c'était un vaisseau diplomatique. Ils intervenaient très peu dans les échanges avec les autres races et dans les affaires terriennes. Sur leur planète, ils vivent dans des villas isolées, rondes et de toutes petites communautés autosuffisantes. Ils ressemblent aux terriens, mais avec de longs visages
de très longs corps fins, de longs bras. Leurs iris sont très larges, quelquefois semblants, de couleur vert ou marron pâle. Leurs cheveux sont raides, ils mesurent environ 2,30 m. Ils sont aussi, comme toutes les races extraterrestres, très télépathiques, mais leur évolution est stagnante. Ils utilisent, lorsqu'ils s'adressent à vous, des phrases directes et des mots plutôt secs. Ils sont calmes, timides et sages et maîtrisent parfaitement leurs émotions qu'ils n'aiment pas montrer. Ils ont une société holistique basée sur 50% d'hommes et 50% de femmes, bien équilibrée, gérée par des conseils de niveau comme toutes les autres races stellaires qui ont adopté cette structure. Leur longévité est de 750 à 950 ans. Ils n'utilisent pas le concept d'espace-temps comme sur Terre, ils se repèrent comme beaucoup de lignées extraterrestres grâce aux événements. La musique qu'ils créent est très douce et similaire à la musique de la Renaissance. Ils n'ont qu'un langage qui s'appelle le lyrien, qui est à la fois oral et écrit. Leur logo ressemble à un mandala très compliqué. Leur couleur préférée est le gris. Ils apparaissent comme assez ennuyeux pour les races les plus actives. Ils sont apathiques et rien ne les surprend plus. Ils sont en train de quitter le monde de l'évolution et du développement physique. Ils ne sont plus du tout orientés vers l'action. Leur lignée est sur sa fin et ils évoluent maintenant vers d'autres mondes dans des densités plus hautes où ils n'auront peut-être plus l'obligation de s'incarner dans la chair ou dans un corps.